Les réfugiés sont les bienvenus ici. C'est le message de ces Londoniens. Ils sont près de 20 000 à avoir défilé dans les rues de la capitale britannique ce samedi pour réclamer une politique d'accueil plus généreuse. Ils ont marché en direction des bureaux de la première ministre conservatrice Theresa May. C'est une crise énorme et nous pensons que l'action politique n'est pas à la hauteur de cette crise, dit cette femme. Nous voulons que le gouvernement britannique en fasse plus. Ils se sont engagés à reloger 20 000 réfugiés. Ça a été le cas pour seulement 2 500 personnes jusqu'à présent. C'est trop peu. La guerre en Syrie fait rage, plus que jamais et de manière dramatique. Que les gens viennent de Syrie ou d'un autre pays, ils ont besoin de cette chance de pouvoir reconstruire leur vie en toute sécurité. Et la Grande-Bretagne devrait accueillir plus de réfugiés. La manifestation a été organisée par diverses ONG. Elle intervient avant un sommet des dirigeants mondiaux lundi consacré à la crise migratoire au siège de l'ONU.